Tu me cherches toi? Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur le deuxième vlog, ou peut-être le premier, je sais pas, on verra combien de vlogs je vais faire. Du coup là, comme vous savez, je suis au ski. Et du coup là c'est parti, je vais aller voir Tristan pour lui apprendre le salto arrière. J'ai eu très très peur, j'ai failli pas venir, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà à cause du temps, il a failli avoir beaucoup de neige, j'ai eu peur, peut-être que j'aurais pas pu y aller. Ensuite de ça, quand je suis arrivé au ski dimanche soir, je me suis blessé. Donc j'ai vraiment eu peur, au final ça allait beaucoup mieux. J'ai mis beaucoup de crème, beaucoup de glace et tout, ça allait beaucoup mieux. Merci à ma soeur Cassandra qui m'a bien aidé pour ce coup là. Et du coup voilà, c'est parti, du coup on va à Lyon. Et pour faire la vidéo, donc là on va aller dans un trampoline park. Malheureusement j'aurais préféré être là pour la gym, mais la gym ils font ça demain. Et honnêtement voilà, c'est 2 heures aller, 2 heures retour pour aller à Lyon. Là j'ai quand même du péage et tout ça, donc la thune. Donc j'aurais pas pu revenir demain et même dormir là-bas et tout. Et puis même je suis venu là pour le ski, je vais pas lâcher mon beau-frère et ma soeur. Donc en plus demain il fait super beau, donc demain je vais faire du snow. Je vais en profiter pour vous faire une vidéo. Je pense qu'il sera dans le vlog numéro 1 ou 2, je sais pas, on verra. Mais en tout cas voilà, bref, c'est parti. Allez, let's go. On va passer à l'étape, on va essayer de le mettre sur terrain. On va faire plusieurs allers-retours ici. Les deux profs vont nous dire où on se situe en termes de level. C'est bien ça. Thank you, brothers. Wow. Practice makes perfect, motherfuckers. Bon, ok la team, donc comme vous avez vu, donc je suis pas tout seul. Et là on est un peu plus tard parce que finalement on a annulé avec Tristan. Enfin c'est annulé parce qu'il avait pas trouvé la salle, elle fermait trop tôt. Bref, du coup ma soeur a voulu... Elle m'a fait chier jusqu'à... depuis ce matin. Non mais attendez, attendez. Tempête de neige à la Clusaz. Tempête de neige. Et je devais laisser mon frère tout seul partir voir Tristan faire 2 heures de route. Je suis un enfant à ses yeux. Mais jamais de la vie je l'aurais laissé partir tout seul. Donc je l'ai accompagné. Oui, ça ne change absolument rien, mais au moins j'étais rassurée. Et j'ai fait la caméraman. C'est vrai, merci. Et de rien. Merci. Et donc du coup, Tristan, est-ce qu'il est cool, est-ce qu'il est pas cool? Franchement, il... Je... non. On le dit ou pas? Ouais, on le dit. Non, franchement, allez, on le dit. Merci à Tristan si tu passes par là. Honnêtement, c'est un mec super et voilà. Et avec des belles valeurs de vie. Ouais. Vous allez super. Voir. Vous allez voir. On a parlé hors caméra aussi de certains trucs. Ouais. On a parlé de projets, des trucs de dingue. Ouais, non, donc, franchement. Adorable. Un mec super et belle rencontre. Et franchement, on a passé un bon moment. Donc, pas déçu de m'avoir accompagné. Hein, non, mode, ouais, pas tu, déçu, tu vas pour rien. Ouais, moi j'avais peur. On arrive, on trouve même pas la salle et ouais, tout. Ah là 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 là. Mais bon, au final, ça vaut le coup. Bref, d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo parce qu'on a fait une interview à la fin. C'est lui qui a pensé ce que je lui avais proposé, mais je pensais qu'il allait oublier. Même moi, j'avais oublié. Il m'a fait penser tellement que vraiment il est adorable. Du coup, il y aura une interview avec lui. Vous allez voir sur comment un peu gérer sa vie, comment passer ça... au-dessus des haters. Génial. Génial. Un philosophe. À la base, je voulais mettre ça dans le vlog, mais vu qu'il a parlé de ouf. Ouais. Tu m'as posé 3 questions. La vidéo a fait 15 minutes. 3 questions. Ouais. Voilà. Bon, les bisous. On rentre. Allez, on va à l'appart. On va retrouver le beau-frère qui est tout seul à l'appart. Clouza. Bon, là, on revient de la vidéo avec Tristan. Go mettre les chaussettes. Parce que là, il y a beaucoup trop de neige. Regardez-moi ça là. Un peu le stress. Ah, j'en ai marre, le verglas de merde. Anthony, ouais. Cap ou pas cap? 2. Cap ou pas cap? Cap. Ok. Tu remontes là, là, cette pente là. Et tu dois sauter par-dessus ça là. Ralentir slow là. Non. Si. Non mais arrête, y a aucune bosse, y'a rien. Anthony, tu peux le faire. Ouais mais en skate, oui, Anthony. Mais là, Anthony. C'est archi lourd. Anthony. Ok, bon, bah, tu sais quoi, je sais très bien ce qui va se passer dans ma tête, mais juste pour te faire plaisir. Non, moi j'y crois. Allez. Allez, vas-y. Et là vous allez vous dire, en fait ce mec à part tomber, il sait faire que ça. Oui. Oh, ça va. Oh, oh, ça va. Et merde. Alors, quel est ton ressenti? La série qui s'est activée dans... Ça m'a tué. La seule chose que l'on rate,
et celles qu'on ne tente pas. J'avais très mal. Tu n'as pas raté. Cette figure, je l'avais dans ma tête, exactement. Je savais que ça allait finir comme ça. Bah ça va, t'as un casque, t'es protégé. Oh, ça m'a tué le... Tu vas réessayer ? Ça m'a coupé le souffle. Non. Si. Non. On reste pas sur un échec. Non, c'est mort. Si. J'ai vu que ma planche, j'arrive pas à avoir de la détente avec ça. On va aller voir les beaux refs qui a mis de la musique de beauf. Wow ! Regardez-moi ce beauf là. Regardez, j'ai fait le plateau de plateau. Dieu, mais t'as pas honte? Quoi? T'as pas honte? Non, t'as raison. Moi, j'aurais grave honte à ta place. Tu fais la petite bosse là? À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Réponse A, je vais lui défoncer la gueule. Ou réponse B, il a eu énormément de chance. Mais c'est toi, tu t'es arrêté! T'es con, toi! Mais t'es sérieux? Je t'ai dit, je vais faire la bosse ici, Guillaume! C'est ça, t'en plus. Mais parce que j'étais obligé, sinon je t'aurais tué! En plus, c'est pas arrêté, genre sur le côté, il a vraiment fait plein milieu! Putain, j'ai failli le tuer! Je sais pas si c'est bien vu ou pas, mais j'ai failli tuer sa race! Abonne-toi à WorkBody. Anthony, cap ou pas cap? Cap. Ça va, t'es en forme? Ouais. Ok, bah c'est cool parce que tu vas devoir faire un salto là maintenant tout de suite avec tes bottes de... Oui. Maintenant, tout de suite. Ah, c'est vrai avec les bons. Non, attends. T'en fais un maintenant, tout de suite. Allez, dépêche-toi. Ouais. Tout de suite. Faut chaud 10 fois plus haut, putain. Allez. Là-haut. C'est horrible avec ces pompes, là. Allez, dépêche. Il était mieux. Cassandra, cap ou pas cap? Cap. Ok. Tu vois quand on va monter dans les trucs avant, là. Là-haut, là. Ouais. Tu fais un mini pétage de câble que t'arrives pas à monter ou je sais pas. Genre que t'arrives pas à monter, genre ça va trop vite, c'est inadmissible et tout. Okay. Ok. Allez, c'est parti. Comment ça marche? Je suis fait dérouler avec moi. Vite, c'est pour la début de la vidéo, déjà il y a une table. C'est lui. C'est pareil. Bon, arrête, c'est bon. C'est moi, je lis dans la boîte. Le pack de la fin. Tony. Ouais. Cap ou pas cap?
Cap ou pas cap? Vas-y, cap. Tu descends la piste en caleçon. T'es obligé, t'as dit cap. Je peux baisser juste mon froc, genre? En caleçon. Ok, donc je suis pas obligé d'enlever mon pantalon? Oui, en caleçon. Ça va alors. Oh oui, alors jogging! Champion! Allez, je m'en couille! Regarde, j'ai levé le cul. Waouh, waouh, waouh. Calm down. Comment ça, t'es loin? Bah, je sais pas, je suis tombé là-dedans, moi. Enfin, je suis là-dedans, là. Mais Anthony, franchement, t'es chiant de faire du hors-piste. Bon, bah, je viens de me perdre. Oh, oui, mais ça va. Waouh, 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 God damn. Oh, putain, je me suis pris l'arbre dans la gueule. On était sur du hors-piste au début, tous. Mais non, ça fait pire que du hors-piste, non? Ah ouais? Mais oui, Anthony, Mais je te jure, pour moi, vous étiez derrière moi! En fait, je sais pas pourquoi, mais à la base, j'étais sur cette piste-là. Mais je me suis retrouvé là-bas! En tout cas, ces vacances m'ont fait énormément de bien. J'avais besoin de me ressaisir parce que j'ai eu beaucoup de problèmes ces temps-ci. Donc ça m'a fait trop du bien. Donc je tiens vraiment à remercier ma sœur et mon beau-frère. Ça m'a vraiment fait trop plaisir, c'était vraiment cool. Et maintenant, j'ai juste une dernière chose pour clôturer cette vidéo à vous demander. Je vais pas vous demander de partager, ni liker, ni commenter. Ça, c'est à vous de savoir si vous voulez le faire ou pas pour me soutenir. Mais surtout, profitez de vos amis, profitez des gens que vous aimez, donc votre famille surtout. Parce que croyez-moi, on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter et ne faut pas regretter. Il faut vivre sa vie comme on le veut et surtout avec des gens qui nous entourent et des gens qu'on aime et qui nous aiment en retour. C'est super important. Donc voilà, faites ça pour moi et vous allez voir, votre vie va être beaucoup mieux, c'est sûr. Et voilà, c'est tout pour moi, hein. C'est tout, voilà, bisous. Ah, l'outro de merde. Ouais, je vous laisse avec la musique là.